Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits avec l'Éternel. Il arriva que lorsqu'il descendit de cette montagne, il ne se rendait pas compte que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé à l'Éternel. Et le berger, donc nous parlons donc de la gloire de Dieu sur le visage de Moïse. Et le berger Moïse ainsi que l'évangéliste Joseph ont eu une dispensation avec un ange. Alors ils vont nous dire tout à l'heure comment ce thème leur a été dispensé et par quel ange. Et pour aller plus loin, ils nous diront quand et où. Cette histoire est tellement prophétique que nous l'avons tirée ensemble avec un ange qui nous est apparu d'une manière particulière. Nous sommes dans les livres d'Exode, chapitre 34. Nous allons prendre le verset 33 jusqu'à 35. Les Écritures déclarent « Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Chers bien-aimés, ça c'est toute une dispensation. L'ange Gabriel nous a fait revivre cette histoire et là, nous sommes le 7 août 2018. Il est 9 heures. L'évangéliste Joseph est venu me voir pour me dire, Père, je pense que cette histoire cache un mystère. Pourquoi Moïse se voilait-il? Et là où nous étions, je sentis l'onction que j'ai toujours ressentie chaque fois qu'il y a dispensation. Je lui ai dit, fils, ça, c'est toute une dispensation. Et nous nous sommes fixés rendez-vous. Comme je préparais mon voyage pour Cape Town, je suis allé à Cape Town le 9 août. Et nous nous sommes retrouvés le 7 août, deux jours avant mon voyage. Et nous nous sommes dit, allons à l'église. Et quand nous sommes arrivés à l'église, on nous a ouvert le portail. Juste en entrant, nous étions à bord de ma Jeep. Nous ne sommes pas encore descendus. Et déjà là, dans la Jeep, l'ange Gabriel est apparu pour nous expliquer les prophéties contenues dans cette histoire très étrange. Chers bien-aimés, je crois que nous sommes plus d'un où cette histoire pouvait susciter la curiosité. Je crois que j'étais parmi des gens où cette histoire, en faisant la lecture de la Bible, j'ai été curieux de savoir ce que pouvait signifier la gloire de Dieu sur le visage de Moïse. C'est ainsi que, tellement que ça me tourmentait, j'ai vu l'homme de Dieu, le berger Moïse, disant que je sens qu'il y a des choses à comprendre ici. Pourquoi la gloire de Dieu ne pouvait pas descendre sur tout le corps de Moïse? Pourquoi la parole précise que ce n'était que sur la peau du visage de Moïse? Et comme l'a dit l'homme de Dieu, il a senti qu'il y avait des choses à dire. Il a dit non, tant mieux consulter le Seigneur. Et quand nous avons pris rendez-vous avec le Seigneur et quand nous sommes arrivés à l'église, pendant que nous étions encore dans la voiture du berger, c'est là qu'il y a eu cette apparition de l'ange Gabriel pour nous ouvrir l'intelligence sur ce thème, sur ce passage, sur la gloire de Dieu, sur le visage de Moïse. Il nous a dit des choses extraordinaires, des choses que je ne pouvais pas m'imaginer et des choses que je crois que vous aussi vous serez vraiment édifiés et étonnés. Suivons ensemble avec vous. Ainsi, l'ange Gabriel nous a dit la gloire de Dieu sur le visage de Moïse a
de choses à expliquer, les choses pour lesquelles je vais vous dispenser. Et cette dispensation aura quelques paramètres. La gloire de Dieu sur le visage de Moïse. Premièrement, ça s'explique sur le plan social. Deuxièmement, ça s'explique sur le plan doctrinal. Et troisièmement, ça s'explique sur le plan prophétique. Et il a posé la question à l'évangéliste. Choisis l'angle que tu veux en premier pour que je vous dispense. Et ça devenait encore plus fort, plus curieux. Nos cœurs sont montés comme en suspense. Alors Gabriel nous dira qu'il y a trois aspects sur ce passage. Alors il m'a demandé de choisir lequel d'aspects je voudrais qu'il nous parle en premier. Alors, j'ai tenu compte du fait qu'à l'église, nous sommes en train de traverser une saison de Jéhovah Jiré, où nous voulons voir la main de Dieu. Alors automatiquement, je me suis d'abord dit, bon, comme nous voulons voir la main de Dieu, autant comprendre ce passage sur l'aspect social. Alors j'ai choisi, bon, parle-nous d'abord sur le plan social. Que veut dire la gloire de Dieu sur le visage de Moïse dans l'aspect social? Merveilleux. Dans cette dispensation, nous sommes devenus des habitués des anges. Alors on se demande, comment se fait l'alternance des anges? Comment se fait cette cadence? Parfois c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, tantôt l'ange Gabriel, tantôt Michaël, et dernièrement il s'agissait des séraphins. Pourquoi ces changements? Cette alternance des anges a accentué sa nuance en l'an 2007, quand les trois anges nous sont apparus. Le Seigneur lui-même, accompagné de l'ange Gabriel, Michaël, et plus tard nous avons découvert, est notre ange du nom de fidèle. Ainsi, l'ange Gabriel nous a dit, « Je vous dirai beaucoup de choses à propos des Écritures, parce que je suis messager, je veux vous révéler le sens profond des Écritures et certaines paroles du Seigneur. » Et l'ange Michaël, lui, a dit, « Je travaille dans le combat spirituel. Je vous dirai beaucoup de choses à propos du combat spirituel. » Et le Seigneur a pris la parole, il a dit, « Moi, je vous parlerai du salut. » Et un jour, habitué à la dispensation des anges, le Seigneur a dit, « Aujourd'hui, la dispensation change. Désormais, mon gardien de l'église commencera aussi à vous parler. » Et c'est là que nous avons vu l'ange de l'église du nom de fidèle. Là où nous vous avons parlé d'une dispensation qui disait « Fidèle, béni, fidèle. » La profondeur appelle la profondeur. C'est dans Messianic Video. Bien aimé dans le Seigneur, c'est par là, depuis 2007, qu'il y a eu alternance des anges. Ils se jonglaient entre eux parce que chacun avait un message particulier à dispenser dans un domaine déterminé. Comme cette histoire de Moïse qui avait la peau qui reflétait, qui rayonnait de la gloire de Dieu, la peau de son visage. Comme il s'agissait des Écritures, voilà pourquoi l'ange Gabriel lui-même est revenu pour nous éclairer là-dessus. Indépendamment de notre volonté, cette alternance, même nous-mêmes, nous avons fini par comprendre, au nom de l'habitude, que quand il s'agit d'apporter une explication à une révélation quelconque, que ce soit des Écritures ou que ce soit d'une vie, quelqu'un ou un problème quelconque, ça c'est Gabriel. Donc il apporte l'explication, il apporte la révélation. Ça, c'est au nom de l'expérience que nous avons compris ça. Alors, quand il s'agit de parler particulièrement du salut, là, c'est le Seigneur lui-même. Quand il s'agit de parler soit du combat spirituel de l'ennemi, et très souvent, quand le Seigneur est mécontent de son peuple, très souvent, au nom de l'expérience, c'est Michaël qui prend la parole. Comme pour donner
comme pour corriger. Donc c'est au nom de l'habitude que nous avons compris que chacun a sa particularité. Nous avons même là compris que même au ciel, il y a une hiérarchie qui est vraiment respectée, où chacun a un domaine particulier, où quand il faut parler de ce domaine, si Gabriel se présente, soit Michael ou l'ange de l'église ou d'autres anges encore. C'est un peu ça. Nous sommes maintenant curieux de savoir, naturellement, ce qui a été les grandes lignes de cette dispensation qui ont été données, bien évidemment, par l'ange Gabriel au berger Moïse ainsi qu'à l'évangéliste Joseph. C'est par ici que les explications et l'entrée en matière a commencé. Les explications ont commencé par l'illustration de parties ou des organes de sens de Moïse. Et cet ange nous dit, la gloire qui était descendue sur le visage de Moïse, et pourquoi seulement le visage? Et il dit, parce que l'Éternel a utilisé Moïse comme matériel didactique du leadership. Un bon leader doit aussi avoir des particularités sociales, parce que nous parlons de l'angle social. Ici, la gloire qui est descendue sur le visage de Moïse, cette dernière visait sa bouche. Un bon leader doit être saisi de gloire afin qu'il devienne un parolier, qu'il sache bien parler et que la puissance entre dans ses paroles. Ici, Dieu a voulu, ainsi dit l'ange, Dieu a voulu que Moïse soit un dispensateur des mystères. Un vrai leader, c'est celui-là dont la parole est sortie de l'ordinaire. Parce qu'avec la parole, l'homme peut faire asseoir des choses. Avec la parole, l'homme peut créer à l'image de notre Dieu. C'est ainsi que Dieu a fait reposer sa gloire sur le visage de Moïse, afin que cette gloire affecte la parole de Moïse, pour que Moïse soit en mesure de faire asseoir, faire apparaître, appeler des choses en vue des solutions du peuple. C'est ainsi que il y a eu ces deux temps. Gabriel nous fera comprendre que il y a eu un temps où Moïse devait frapper le rocher, mais il y a eu un temps où il ne devait plus frapper le rocher. Il devait parler sur le rocher. Comme pour dire, des fois nos besoins, nos désirs nécessitent seulement que nous puissions parler. Parler à la Providence. Déclarer, confesser, et lorsque la parole sort dans un état de gloire, c'est comme la parole de notre Seigneur lui-même, où il pouvait faire paraître des choses, mais des choses qui ne se voyaient pas, qui n'existaient pas. Voilà comment, voilà le processus qui était caché, la gloire de Dieu sur le visage de Moïse affectant la bouche. Mais ce n'est pas tout. À la création, ainsi dit cet ange, il nous donne l'image de Dieu qui était en train de s'imaginer comment créer un monde matériel et physique. Il avait fallu à Dieu de parler, et cette capacité de la Genèse qui était en Dieu devait descendre sur Moïse, parce que Moïse
était déjà devenu un leader. Un bon leader doit avoir la capacité de proclamer la parole. Et l'ange nous dit, vous allez dire ça à l'église. Dites à l'église d'avoir cette faculté qu'avait Moïse. Parce que quand la gloire descend, elle vise la parole. Elle vise la bouche du leader. Elle vise les fidèles. C'est par ici que vous devez ôter les inquiétudes. Pourquoi? Quand vous déclarez une parole, c'est une parole qui est spirituelle. Parce qu'au commencement était la parole. Et Dieu est esprit. Et la parole, quand on joint, elle devient spirituelle. Dites à l'église de ne pas se soucier. Parce que les paroles que vous proclamez, ce sont des paroles spirituelles qui vont faire subir à la nature le sens de vos déclarations. Comme c'est un problème de la parole qui fait l'action et la nature subit l'action, quand vous déclarez, oubliez le reste, ce n'est pas votre problème, c'est notre problème. Quand vous vous parlez, taisez-vous, arrêtez-vous là. Quand vous faites la prière, arrêtez votre prière, oubliez le reste. C'est nous qui entrons en action pour exécuter ce que vous venez de proclamer au-dessus de la nature. Parce que la nature subit l'action de vos paroles qui sont spirituelles. Voilà pourquoi un leader comme Moïse devait avoir cette capacité de proclamer les choses afin que la nature subisse. Mais ça continue encore. Il continue à nous expliquer. Il nous fait comprendre ceci. Il dit, votre maître avait l'habitude de faire des exercices à son peuple que vous ne comprenez jamais. Et que même maintenant, vous n'avez jamais compris. Qu'est-ce qu'il faisait? Quand quelqu'un, une fois, s'approchait de lui, il avait l'habitude de poser une question. Que veux-tu que je te fasse? Croyez-vous qu'en posant cette question, lui ne sait pas le besoin de la personne? Je connaissais bien le besoin de la personne parce qu'il est Dieu. Mais il voulait faire entrer les gens dans ce principe de confesser. Lorsqu'il dit, que veux-tu que je te fasse? Il fallait que l'homme me réponde, Rabbi, que je recouvre la vue. Ça, c'est déjà là une déclaration, un souhait émis par la parole, que je recouvre la vue. Et en retour, qu'est-ce que votre maître disait? Va, qu'il te soit fait selon ta foi ou qu'il te soit fait selon ta parole. Voyez-vous? On reçoit ce dont on a besoin par la confession, par la parole. Alors des fois, cessez de vous plaindre, sachez déclarer. Donc, il voulait faire entrer son peuple dans ce principe. Donc comprenez que vous avez un pouvoir dans la parole. Il suffit de le dire tout haut. Je veux ceci, que je voie ceci, que j'ai ceci. Et comme l'a dit l'homme de Dieu, il dit, le problème avec vous, c'est le temps. Le temps, ce n'est pas votre domaine. Laissez à nous le temps et sachez, nous sommes des êtres très puissants. Très puissants. Lorsque vous confessez, nous exécutons. Nous exécutons. Ainsi dit, l'ange Gabriel ajouta, cette gloire qui était descendue sur le visage de Moïse, c'était pour lui ouvrir les yeux. Parce que la lumière, c'est aussi l'image ou la prophétie de l'intelligence. Ici, la gloire est descendue sur Moïse, sur le plan social, afin que la vision de Moïse change et que cette vision ne soit pas la même avec le peuple. Parce que nous parlons de la société, Moïse, dans cette société d'Israël, parmi les enfants d'Israël, il voyait autrement.
les enfants d'Israël se sont retrouvés devant la mer Rouge. Ils ne savaient quoi faire, où aller, parce que devant eux était la mer. Et derrière eux était l'armée de Pharaon, qui s'est dit sûrement que ce peuple est contraint par la mer Rouge. Pendant que le peuple criait, et quelques-uns pensaient à blâmer Moïse, disant que Moïse a piégé Israël. Moïse a levé ses mains, il a dit, « Aujourd'hui, vous verrez la délivrance de l'Éternel. » Et cet ange ajoute pour dire, « La gloire est descendue sur Moïse, afin qu'il voie différemment du peuple, car il est un leader. » Quand le peuple regarde l'armée, d'une part, la mer Rouge, d'une part, le peuple s'est senti contraint. Et cette peur pour Moïse était interprétée par la délivrance. Moïse regardait la mer. Moïse regardait l'armée de Pharaon. Lui voyait autre chose. Lui s'imaginait comment l'armée de Pharaon sera engloutie dans cette mer qui était devant le peuple comme un obstacle. Pour Israël, la mer était un obstacle. Mais pour Moïse, la mer était un appât qui pouvait finir l'histoire de l'armée de Pharaon. C'est lui qui a la gloire sur son visage. Il voit autre chose. À la place de la détresse, lui voit la délivrance. À la place de la mort, lui voit la vie que le Seigneur veut apporter. Pour Moïse, plus le peuple est attaqué, plus Dieu veut, par cette attaque, démontrer sa puissance et de quoi il est capable. Voilà la vision que Moïse avait, parce que la gloire est sur lui. C'est une prophétie qui dit, quand on a la gloire de Dieu sur soi, on voit les choses autrement. Donc la gloire est descendue pour ouvrir les yeux du leader. C'est merveilleux, bien-aimé. En parlant encore de ces choses, je continue à m'édifier davantage, vraiment. La gloire de Dieu sur le visage de Moïse. Lorsque ça affecte les yeux, c'est pour que l'homme voie comme Dieu peut voir. C'était ça le souci de Dieu pour Moïse. Maintenant que je te fais un leader, vois comme je peux voir. C'est une vision de gloire, une vision qui ne connaît pas de limites. Un vrai leader, c'est celui-là qui est toujours capable d'apporter des solutions aux problèmes. La capacité de percer, c'est que beaucoup ne peuvent pas percer. La capacité de concevoir, de voir loin. Bien-aimé, notre Dieu peut-il être limité? Alors j'ai compris ce que un chanteur congolais a dit. Il dit, toi, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand toi, tu peux voir la mort, Dieu voit la vie. Quand toi, tu peux voir la fin, Dieu voit un chemin. C'était ça le souci de Dieu. En affectant les yeux de Moïse, pour que Moïse ait sa vision. Dieu ne connaît pas de limites, Dieu ne connaît pas de barrières. Dans le chaos, Dieu peut crier. C'est ça la vision de Dieu. Il voulait qu'un leader, même socialement, ait cette capacité-là, cette percée-là. Quand tout le monde peut pleurer, lui peut voir une solution. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Nous étions là, dans la Jeep, et c'est là que tout s'est passé. Tout se disait, et il parlait. Il continuait là où nous étions. Nous étions en train de noter, comme à l'école de Dieu. Et cet ange continue. Il était tellement sérieux qu'il nous a communiqué une onction. Et nous étions en train de trembler. Il parle et il continue pour dire, la gloire de Dieu sur le visage de Moïse, c'était pour impacter ses oreilles, afin que les oreilles du leader deviennent les oreilles branchées. J'ai compris qu'un leader
par rapport au peuple, doit avoir trois facultés. L'art de parler, l'art de voir et l'art d'entendre. Parler quoi? Proclamer des mystères. Voir quoi? Voir les mystères. Entendre quoi? Entendre les mystères. Il dit, un bon leader, s'il est branché, ses oreilles sont aiguisées. Aiguisées pour recevoir les initiatives. Ici, les initiatives, c'est le fait d'entendre la voix de Dieu comme Noé. Noé a entendu. Dieu lui a donné les mesures de l'arche. Noé ne savait pas où il allait. Mais lui, ce qui lui importait plus, c'était ce qu'il avait écouté. Ce qu'il avait écouté a généré sa foi et Noé allait vers l'inconnu. C'est comme Israël qui va vers l'inconnu. Il n'a jamais été à Canaan. C'est un pays d'autrui, de plusieurs peuples qui vivaient en union. Les Amoréens, les Jébusiens, le Phérésien, le Cananéen, etc. Mais Moïse, parce qu'il a écouté, il conduisait le peuple vers l'inconnu. Et il nous a donné les avantages de croire à l'inconnu. Suivons ça. Bien-aimés, avant de vous parler des avantages, d'abord, il nous a dit ceci. Il dit, cette expression sera peut-être pour vous la première fois de l'écouter. Quelle expression? Il dit, j'appelle ça, nous appelons ça la gloire de la directive. Les oreilles branchées, eux appellent ça la gloire de la directive. Il a fait allusion à ce passage où dit, tu entendras derrière toi la voix qui dira, voici le chemin. Soit vous irez à droite, vous irez à gauche. Quand on est branché, c'est pour recevoir des directives. Et quand on reçoit des directives, parmi les avantages, c'est atteindre la vraie destinée. Comme Noé. C'est ça la vraie destinée. Là, Noé n'avait pas le choix. On rate la destinée quand nous voulons savoir où nous allons, quand nous cherchons à connaître. Et là, le choix peut intervenir. Alors, quand nous ne connaissons pas là où nous allons, là, nous n'avons pas le choix. C'est ça, atteindre la vraie destinée. Il suffit d'être orienté, d'écouter, de suivre ces directives. Et là, on aboutit à la vraie destinée, comme Noé. Il a abouti sur les chaînes de montagne d'Arara, et là, c'est la restauration. Quand on suit les directives de Dieu, on va vers l'inconnu, c'est à la restauration qu'on retourne. C'est ça la vraie destinée. C'est ça l'avantage majeur. Deuxième avantage, on ne sera pas trompé par les soi-disant prophètes. Car les prophètes ne connaissent pas tout, ne disent pas tout. Alors quand nous cherchons, quand vous cherchez à savoir, et ça sera comment, et je vais où, là, vous allez vous retrouver entre les mains d'un faux prophète, il va vous désorienter. Aimez être conduit vers l'inconnu. Vous ne serez pas désorienté. Vous ne tomberez pas dans les pièges des faux prophètes. Voilà là les avantages de suivre les directives qui vous conduisent vers l'inconnu. Chers frères et sœurs, je nous promets la suite de la gloire de Dieu sur le visage de Moïse. Cette fois-là, ce sera sur le plan prophétique ainsi que sur le plan doctrinal. Et tout à l'heure, nous saurons ce qui a captivé particulièrement l'évangéliste Joseph ainsi que le berger Moïse. Il est temps, il est plus que temps. Nous devons maintenant changer la vision. C'est-à-dire, même la mer rouge qui s'intercale sur ton chemin, dis-toi, cette mer rouge a comme objectif pas de t'empêcher à évoluer,
mais d'engloutir les ennemis qui te suivent et de te permettre de traverser. La mer Rouge est un appât pour les ennemis, pas contre toi. Elle va s'ouvrir pour toi. Tu vas traverser et elle va engloutir ceux qui te poursuivent, afin que tu évolues sans ennemis. Plus le diable nous attaque, plus il vient se livrer sans le savoir. Ça, c'est la gloire de Dieu sur les yeux de Moïse. À propos des paroles de Moïse, désormais, disons-nous, si je proclame quelque chose, le reste, ce n'est pas mon problème. C'est la dispensation des anges qui viennent imposer la parole proclamée sous onction spirituelle sur une nature qui doit subir l'action de la parole proclamée. Et aussi, la gloire sur nos oreilles. Ici, c'est l'image de l'entendement. Entendons ce que Dieu nous dit, quoique nous ne savons pas là où nous allons. Ce qui est plus important, c'est être orienté. Entendons la voix de Dieu. Quand les choses peuvent tourner négativement, disons-nous, ce n'est que la réalité. La vérité, c'est ce que Dieu m'a dit, car la foi vient de ce qu'on entend. Entendre Dieu, c'est croire à l'inconnu. Et quand on croit à l'inconnu, on n'a plus besoin d'un prophète. Pour nous orienter, Dieu aime qu'on ne sache pas là où on est. On va. C'est comme Abraham qui allait, qui ne savait pas là où il partait. Vous savez, la joie sera énorme d'être surpris par ce qu'on ne connaissait pas. Et là, ce n'est pas le problème du prophète, c'est le problème de la destinée. Nous vous remercions sincèrement pour votre fidélité et que l'Éternel fasse luire sa face sur vous. À très bientôt.